sur le département, depuis maintenant, nous avons 11 ou 12 députés, aucune proposition de loi économique n'a été faite. Aucune. Il y a un élément majeur là-dessus, c'est qu'il faut qu'on soit nombreux pour être crédible. Et pour être crédible, ben, il faut se rassembler, il faut agir. Il faut aussi, si possible, pour ceux qui le souhaitent, adhérer à un syndicat patronal, de manière à ce que quand même on soit représentatif, qu'on ait une force qui nous permette de les sensibiliser et à ce qu'ils soient attentifs à ce qu'on leur dit. Donc je vous engage, moi, aujourd'hui, à consacrer du part un peu de temps au militantisme et surtout à pouvoir multiplier autour de nous le nombre d'entreprises qui se fédèrent pour pouvoir résister à ce qu'on nous fait subir aujourd'hui. Actuellement, les difficultés économiques font qu'on fait attention à tout, mais on a quand même une adaptation très forte en termes de cotisation qui a été bien pensée justement en collaboration avec la CGPME et le MEDEF pour permettre justement ces adhésions d'une façon, on va dire, sereine et sans effort. Il y a quelque chose qui est important. Vous allez voter bientôt pour les chambres de métiers et un peu plus tard pour les chambres de commerce. Sachez simplement que ça, c'est pas payant, hein, mais il y a à peu près 12% de gens qui votent. Dire c'est lamentable, je vous le dis honnêtement. C'est lamentable, je veux dire, il suffit quand même de voter. Et sachez simplement qu'on est évalué là-dessus, hein. Même si en fin d'année, il va y avoir la pesée économique des syndicats, sachez quand même qu'il faut voter. C'est quelque chose d'important. Si un jour, on va voir que le président de la chambre de métier est élu avec 70% des voix, il va avoir du poids derrière lui. Et quand on dit qu'il est avec 10 ou 12%, excusez-moi, hein, c'est quand même pas beaucoup. Hein. Je vais finir en vous disant, comme un pasteur bien connu, j'ai fait un rêve. C'est que la prochaine fois qu'on se réunisse, on ne dise pas « on a fait ensemble hein, » et que la prochaine fois on puisse dire « on a sur les Alpes-Maritimes et on est un modèle en France, une union patronale qui regroupe les trois syndicats et qui soit formalisée entre l'UPA, le MEDEF et la CGPME. Et quand on l'aura fait, pour paraphraser un autre, on pourra dire « yes, we can ».